dit, vous êtes, du diable. Il dit, vous êtes du diable, je vais chercher à faire votre délivrance. Voilà. Ce que vous faites là, c'est pas biblique. Il dit, oui. Pourtant, il a donné le nom de son nom. Ok. Puis il a raccroché. J'ai rien dit. Et le samedi, là, qu'il appelle maintenant pour me dire, ah, vraiment, il s'excuse de tout ce qu'il a dit. Et moi, j'ai dit, mais que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Parce qu'avant de juger quelqu'un, il faut prendre du temps. Et la Bible dit qu'il ne juge pas selon l'apparence, selon la justice. Or, j'ai un objectif que nous voulons atteindre. Et quand vous regardez un peu le parcours de notre ministère, c'est vrai qu'au départ, les gens ne comprenaient pas, même l'Église. Il y a eu trop de problèmes avec l'Église en Côte d'Ivoire. Trop de problèmes, c'est maintenant les pasteurs ont commencé à comprendre. J'aurais dit, quand vous ne maîtrisez pas certaines choses, il ne faut pas attaquer. C'est pour ça que moi, souvent, quand je ne maîtrise pas, parce que Dieu a plusieurs manières d'agir. Quand vous lisez un peu dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 6, la Bible dit que la diversité de manifestations. Voilà, diversité de manifestations. Moi, j'atteins une certaine maturité qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de voir une manifestation et tout ça. Mais je ne juge pas un homme. C'est pour ça que souvent, quand on me pose les questions, est-ce que, par rapport aux hommes de Dieu encore du voyage, je dis, moi, ce n'est pas moi qui fais le procès des hommes de Dieu. Je n'ose même pas dire, mais quand il y a du vrai, c'est qu'il y a du faux. Voilà. Et si vous connaissez la Bible, vous allez savoir qui est vrai, qui n'est pas faux. Ce n'est pas à moi de vous dire, parce que je ne suis pas, prêt à vous montrer les secrets, parce que je ne suis pas là pour ça. C'est ce qui ne m'intéresse pas. Moi, mon combat, c'est contre la sorcellerie. Si vous me posez toutes les questions, je suis prêt à répondre. En ce qui concerne l'Église, les pasteurs, ça ne m'intéresse pas. Qu'il soit dans le vrai ou faux, à Dieu de le juger. Puisque s'il est du faux, c'est Dieu qui va le juger, pas moi. Mais posez-moi les questions sur mon ministère, la sorcellerie. C'est ce qui est d'actualité. Et c'est ce qui est vrai, c'est que les sorciers tuent les gens. Voilà, c'est tout. Et quand les gens sont dans leur ministère, c'est encore plus intéressant. Or, il y a des gens, leur ministère, c'est de critiquer. Or, c'est comme Satan. Et leur ministère, c'est d'attaquer les gens. Lui, il a fait quoi? Il n'est pas de Dieu, il n'est pas comme ça, il n'est pas de Dieu, il n'est pas comme ça. Ça, c'est pas un ministère. C'est sur le terrain. Les gens finissent par comprendre. Nous, aujourd'hui, nous menons le combat. Les gens finissent par comprendre. Je dis, ah non, pourquoi les enfants? Et l'enfant qui dit, mange. Quelqu'un qui dit, il mange. Tu vois, un enfant qui mange déjà. Pourquoi ne pas le délivrer? Encore le laisser, on continue de manger. Or, nous avons délivré pas mal d'enfants qu'on commence à comprendre. Qu'ils ont vu que non, le petit, il a vu mes vidéos, le pasteur. Il a vu qu'on a aidé l'enfant, le junior, tout ça. C'est là qu'il commence à comprendre, il m'a demandé des éléments. Je lui ai dit, toi, que Dieu te pardonne. Je l'ai écouté. Et puis, il s'est excusé. Et puis, il lui a dit, que Dieu te pardonne. Oui, c'est vrai. Je suis l'homme le plus attaqué, verbalement. Surtout mon 06 là, pourquoi il a fermé ça aujourd'hui? Ouh, chaque jour, j'ai des injures, on m'attaque, on m'insulte. Mais c'est normal parce que je dérange Satan. Moi, j'ai tout ça tout à fait normal. Parce que je dérange. Et quand tu déranges le diable, il doit te déranger. Donc moi, c'est pas de simple problème. Mais il y a des gens qui sont là, ils sont toujours prêts à faire des procès, toujours prêts à attaquer des gens. Toujours prêts à mal parler, moi, ça m'intégrale. Je mène un combat qui est tellement noble, c'est de permettre aux gens d'avoir la vie, d'avoir la paix. Par moments, nous délivrons des gens, et puis leur famille se lève contre nous, on nous insulte, on nous voit comme diable. Moi, j'avance. J'avance. Je leur ai dit, vous savez, c'est demain-là qui va déterminer qui est de Dieu, qui n'est pas. C'est demain. Moi, j'avance dans mon combat. Au départ, je n'étais pas à ce niveau. C'est vrai qu'il faisait un ministère itinérant. Jusqu'à ce que Dieu me dit, fais ça. Moi, je m'en vais dans le combat. Dieu seul est le maître du destin de chacun d'entre nous. Je ne me suis pas levé un matin pour dire je vais aller faire le combat contre la sorcellerie. Ah, vous le savez bien, les sorciers, on ne joue pas avec eux. Tu t'amuses un sorcier, il va te manger comme croquette. Nous, on avait ça, mais ça a été rapide. Tu ne rêves même pas, tu ne parles pas beaucoup, tu mets dans la bouche, tu te manges. Faut arranger la foule, et puis tu as envie de manger ça. Tu as envie de manger comme croquette. Là, le diable, ils s'en foutent. Mais Satan, je ne joue pas avec eux. Chaque fois que Dieu fait, les gens vont en forme, on appelle les démons, les saints, les esprits. Moi, je n'ai pas peur parce que je suis appelé à ça. Or, je suis convaincu de mon ministère. Et je sais que Dieu me protège. Je suis là pour aider les gens. Lui, il était chez moi hier soir. Il est venu, il me contait son histoire. Tout le monde est encore sur son histoire. Je suis en train de le former. Ses parents étaient prêts à l'étude.
C'est une confrérie dans le village. Donc, on a repéré, eux ont repéré 8 sorciers dans le village. Donc, ils faisaient partie. Donc, quand quelqu'un meurt dans le village, on les attend, les réunions. Comment vous avez fait pour manger l'autre? Pour le frapper. Or, ils n'ont pas le pouvoir de délivrer les gens. Ils font les aveux. Oui, c'est nous qui avons tué. Ils ne peuvent pas les délivrer. On les frappait, tout ça. Nous, on compte une histoire où un matin, on vient le frapper. Il allait se cacher dans la brousse. Ils ont réveillé 23 heures. Ils ne comprenaient plus rien. Puis, quand c'est que les gens meurent, ils ont cherché à les chasser. Puis, il y a son neveu qui a dit, tu as un coin là-bas où on peut te délivrer. Et puis il dit, mais tu es venu, mais tu as voulu me tuer aussi. Il dit, non, c'est comme ça la sorcellerie. Mais Dieu, tu as vu, moi j'ai manifesté l'amour. Voilà. Or, c'est ça, quand on arrive à ce stade-là, on a compris la mission de Dieu. Or, Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Quand on arrive à ce stade, on peut dire qu'on a atteint maturité, on peut dire qu'on a Dieu dans notre vie. Or, quelqu'un qui cherche à me tuer, la logique aimerait qu'on le tue, je le tue aussi. Mais c'est le contraire dans le christianisme. Il faut lui montrer ce qui n'est pas en lui. Or, ce qui est en lui, c'est la destruction. Moi, ce qui est en moi, c'est l'amour. Donc, moi, je l'appelle. Et puis, je fais de lui quelqu'un de meilleur. C'est ce que je suis en train de faire en lui. Or, personne ne croit en lui. Même son environnement, s'il retourne. Les gens ne croyaient pas lui. Quand son frère l'appelle, son frère. Un matin, son frère, mais deux mois après, son frère m'a appelé et dit. Je dis, je le vois chez moi. Est-ce que. Il dit, si tu le vois, il faut l'attraper. Où tu l'as vu là-bas? Attrape-le. Ah, tu le vois, non? Il faut l'attraper. Que je le vois chez moi. Il dit, mais attrape-le. Quand tu vas chez toi, attrape-le. C'est ça la belle violation à domicile. Il allait chez toi. Toi, tu l'as vu. Attrape-le. Déjà, il est en train de travailler mon esprit pour qu'il dise non. Il lui dit, mais tu vois, toi, tu ne peux pas prendre mon travail. Oh, lui, il n'accepte pas. Non seulement ça, mais il n'arrive pas à pardonner. Donc, il dit, mais pourquoi? Maintenant, c'est là qu'il me donne la vraie version. Il y a une de ses sœurs, vraiment, qui les gens aimaient beaucoup dans la famille, qui lui a mangé sur sa rachine. Donc, les gens même. Elle sur sa rachine. Donc, les gens n'arrivent pas à digérer ça. Il n'arrive même pas à digérer. Oh, lui, il a l'air avec vous. Elle enseigne les conseils de pédagogie. Conseil pédagogique. À Tabou. Il allait rendre visite là-bas. Elle entretenait le plus le gars l'a mangé sur sa rachine. Donc, quand les gens n'acceptent pas. Au fait, les gens ne pardonnent pas. Tu vois, qui ça? Donc, les gens veulent mettre dans un système pour que moi je le dis merde, ils vont les tuer. Or, moi je les protège. Donc, ça ne plaît pas aux gens. Or, moi, c'est l'amour. Il faut enseigner l'amour aux gens. Ce qui nous différencie des mystiques, c'est l'amour. Nous devons manifester l'amour en tant que croyants. Quand Jésus savait que c'était Judas, mais malgré ça, Jésus a donné un baiser à Judas pour dire, mais c'est vrai que tu es Judas, mais moi je te manifeste l'amour. Or, je suis en train de l'aider. Lui-même me disait, même hier à la maison, que lui, il ne peut plus jamais partir là-bas. Il n'y a personne de commande. Il m'a dit, il pourrait acheter ta nourriture. Quand il va même acheter à Tchéké, on prend un panier, on fuit. Un client le fait. On dit, va en goûter. On voit un client, là, il ne veut plus son argent. Il va goûter la Tchéké. Mais il était dangereux. Donc, il ne peut plus retourner dans son environnement parce que là-bas, il ne croit pas en lui. Et moi, je suis en train de lui dire, tu sais, lorsque Dieu va commencer, il a commencé à établir, à délivrer. Mais quand tu vas rentrer dans une phase de bénédiction, c'est eux-mêmes qui vont t'approcher. Comme tu n'as pas encore l'argent, quand tu vas commencer à avoir femme, enfant, l'argent, voiture, ils vont courir. Ils vont oublier. Ils vont chercher à voir tout ça. Donc, je leur dis, tu sais, là où tu es arrivé, là, tu n'as plus le choix. Tu dois être bien devant Dieu pour qu'il t'élève. Moi, en tant que guide, ton père spirituel, j'ai fait ma part. C'est de te délivrer. Toi, il faut être honnête à Dieu pour qu'il puisse te bénir. Amen. Amen. C'est ça, nous devons manifester l'amour autour de nous. Nous devons manifester l'amour. Et oh, c'est ça. Oh, quand on ne manifeste pas l'amour, c'est difficile. Quand on n'a pas l'amour de Jésus-Christ, on voit tout le monde, on ne veut pas. Quand un homme de Dieu ne partage pas, moi je ne vois pas en lui. Or, oh, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres en souscrivant les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples.
c'est ce que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Aimez-vous. Or, pour être disciple, le disciple, c'est celui qui suit l'enseignement du maître et qui fait comme le maître. Jésus a manifesté l'amour. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a plus de chrétiennité. Or, l'amour, la base de la chrétiennité, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, il faut manifester l'amour. Les gens sont étonnés qu'aujourd'hui, on a les sorciers. Or, dans d'autres missions, il faut les tuer. On va jouer avec eux. Ils sont très dangereux. Ils font semblant. Très semblant. Très semblant. Donc, on nous fait croire que le sorcier ne peut pas changer. Si on marche trop avec lui, il risque de nous manger. Il va nous surprendre par matin et nous manger. Ils aiment manger les sorciers. Il y a un pasteur qui me disait aux États-Unis, il disait que maintenant je comprends. C'est maintenant que je comprends. Avec plus de 20 ans de ministère, c'est maintenant qu'il comprend les choses spirituelles. Ouais, c'est maintenant qu'il comprend. Et lui, la sorcellerie, il signifie tous les sorciers. Et même s'il est délivré, il ne va jamais dormir avec un sorcier. Il ne va jamais manger. Que le sorcier peut le surprendre même à la fois. Il ne va jamais. Et c'est maintenant qu'il comprend. Et donc, c'est ça. Jésus délivre. Jésus délivre. Moi, je crois à la puissance et la souveraineté de Dieu. Dieu peut délivrer encore les gens. Dès qu'il a fini par comprendre au travers de nos messages que nous véhiculons sur les réseaux sociaux, il a fini par comprendre beaucoup de choses. Et nous, c'est une victoire. Et que dans les églises, il y a des gens qu'on ne va pas rejeter. On doit les amener coûte à la repentance. Awa est là. Excusez-moi. Elle est là. Awa. Bien. De jour en jour, tu dégrades ton corps. Banga est partout, mais c'est là. Awa. Son problème, elle est venue prendre l'huile. Là. Elle est sorcière. On a vu le Saint, elle avait juste assis. Donc elle a vu une autre chose. Comment tu fais ça? Ça va? Viens, tu fais ma jalée. Non, elle est comme ça. Quand tu dis ça va, on est banga. Les banga n'ont pas front. Elle fait ma jalée avant de faire. Banga, mettez calé. Tu vois toujours. Ah, ceux qui prennent banga, ils voient qu'il y a. L'apprenti a toujours calé un morceau de bois. Et ça, il coule, mais... Quand je vais voyager, je vois Banga, j'ai peur. Et puis, ça m'a montré une année. C'est fini. J'ai failli avoir arrêt cardiaque. Les patates guéillot, c'est que Banga m'a montré. C'est fini. J'ai vu, je vois ça, il bouge, je ne monte plus là-bas. Banga est terrible. Hein? Ça va? Regardez bien. Ça va? Ça va? On dit quoi? Hein? Elle parle toujours pas. Hein? Elle dit quoi? Tu veux quoi? Tu es sorcière? Hein? Tu as vu comment elle est moi-même? Je suis parti au Maroc, je suis revenu, je suis parti au Togo deux fois, je suis revenu, tout ça. 4 mois. Mais 4 mois, hein. C'est avant janvier, non? Avant le. C'est en décembre, hein? Oui, c'est en décembre. Non, c'est en janvier ou en décembre? Décembre. C'est en décembre. Ça fait 5 mois, même. Non, ça fait 4 mois. Ça va? On dit quoi? Elle a tué, elle ne veut pas parler. Elle dit, elle ne veut pas parler. Hein? Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Elle mange bien. Tu as eu le visa ou bien? Le visa de la Mauritanie. Moi, j'ai pitié et plus compassion. Comment elle fait son prof enfant? Elle est transformée en routine, elle mange à foufou. Elle mange à l'enfant, foufou. Petit abouti. Les sorciers sont tirés. Elle est partie, les gens. Va t'asseoir. Tu vas parler.
Hein? Tu as parlé. Tu as parlé. Hmm? C'est comme ça. Ah, le châtiment de Dieu commence à s'abattre une personne. Dieu ne va jamais permettre que tu te répètes. C'est ça? Non, oui. Je ne pas de Dieu. Le monsieur est venu sur Raga, il parlait de la musulmane, il est mort. Ah oui, c'est comme ça. On joue avec Dieu. On lui dit, mais laisse ta fille, il menace sa femme. Laisse ta fille, il menace sa femme. Il est mort. Je ne manque pas de Dieu. Toi, tu as parlé. Hein? Tu as quoi à dire? Eh, hey, pardon, je ne suis pas venu m'amuser, je suis fatigué. Je ne suis pas venu m'amuser. Ce que tu as dit là, tu dis tranquillement. Je suis sorti, c'est une grande dilemme sur vous pour ma dame. Ma dame, c'est à l'ordre de nourriture. Mais quand la mère est venue me chercher, parler d'aliments spirituels, de la viande que je mangeais sur la vie, je vais rembourser. Et quand j'ai donné mon papa. Même un peu de plus. J'ai donné mon papa. Je mets là, son âme attachée dans le monde spirituel. Et quand j'ai tué 4 personnes. J'ai gâté le mariage de ma mère, mes enfants, tellement j'aime mieux ces conditions. Maintenant, j'ai gâté son mariage, gâté le bonheur de mon oncle, puis j'ai pris sa chance. Et tué 4 de mes amis. Et maintenant, tu as fait quoi de la vie de ta mère? Il a mis ça dans un carnaval, il a mis son mariage. Tu couches pas avec elle? Si, dans le monde spirituel, je vais épouser ma femme. C'est ce qu'on appelle un sexe aussi. Tu peux coucher ta femme. Elle dort la nuit. C'est des délinquants, les sorciers. C'est des délinquants. Tu sais quoi? Hein? Hey, va t'asseoir. Tu couches avec ta mère. C'est pourquoi? C'est mon dernier. Hmm? C'est comme ta confiance. Et puis tu dis non, tu dis pas non. Hmm? Hmm? Pourquoi tu dis pas non? Si tu disais un matin, il faut aller dormir sur le goudron, la caisse qui passe, la caisse va marcher sur toi, il n'y a rien. Tu dois dire non. Tu as accepté. Je vais aller dormir sur le goudron. Vas-y, il est intelligent. Vas-y, c'est ce qu'on te dit, et puis intelligence, c'est ce qu'il dit aux gens. Quand on te dit quelque chose, là, c'est ce qu'il dit, on appelle ça cerveau. Ça nous permet de réfléchir, vous dites, ce qu'il dit là-même, ça n'a rien à voir avec la réalité. Non, je dis non. On te dit, vous allez te coucher, quand ça m'a dit, tu n'as pas de Dieu. Et puis tu dis, tu as accepté. Oh, t'es un sorcier qui est bête. Il y a des gens qui sont quand même intelligents. Il y a des gens sorciers, mais sont un peu intelligents. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Elle a donné pour la prier pour toi? On a prié pour toi, tout ça. Elle a parlé. C'est là qu'il a fait. Elle a fait une action. Non, non. Seigneur, on va faire un autre libéré. Une belle maman, elle l'a laissé. Tu es jaloux. Une femme, il y en a plein dans le monde. Tu as grandi, tu allais te marier. Tu es vraiment jaloux. Il faut mettre le pantalon. Mais d'ailleurs, on risque de ne pas avoir des grosses. Il faut porter un peu le pantalon. Et toi ici. Quand ta mère vient m'appuyer. Tu viens toi du même dos. Tu es là?
Je t'écoute. Je m'appelle Capul Kale, un pasteur de Bouille. Reprends. Je m'appelle Capul Kale, un pasteur de Bouille. C'est ma grand-mère qui m'a donné cette sorcellerie. Chaque fois qu'elle mange, elle me donne le nom. Un jour, elle a fini de manger, elle m'a donné. J'ai fini de manger, et j'ai vu des gens qui sont en train de souffrir. Et puis, elle est venue me chercher la nuit pour aller au village, pour aller manger. On a fini de manger le matin, nous voyons le mal. Je dis à maman que je vais me tuer. Et puis après, elle m'a envoyé d'aller tuer des gens. Je suis partie, j'ai tué deux personnes. Et là après, on a... Comment tu es allé tuer? Tu as fait comment pour aller tuer? Je fais un repas. J'ai lancé un saut. Il faut parler fort. J'ai lancé un saut. Ça veut dire quoi? Il faut parler fort. Non, je suis fatigué. Arrêtez là, ça me fatigue déjà. Ça veut dire, il faut expliquer. Ouais, c'est grand français t'as parlé là, c'est ça. Le gros français. Il faut expliquer ça. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. C'est ce que tu as dit. Cette année, elle a 12 ans. Tu as tué combien? Tu as des deux qui. Comment tu as détruit les La gâteau de la Comment tu as arrangé aller prendre mariage? Tu es bonne. Tu as fait quoi? Et tu as fait quoi encore? En quoi faisant? On t'envoie pour aller gâter le travail. Qui t'envoie? Pour aller gâter le travail de quel moment? Tu fais comment pour aller? Tu vas t'envoyer en mission, tu te consommes en quoi? Mon père, un jour souris. Tu t'en vas. Gâté. Non, lâché, il est parti. C'est une vraie sorcière. Elle aime la chair. C'est plus la dimanche. À Londres. Donc tu quittes ici, aller à Londres. Comment t'as réussi? Ah, pourtant, là, il y a un chat bizarre, vous passez. Non, pas bizarre. Toi-même, t'as bizarre. Tu vas à Londres. Je peux expliquer ça. Il t'envoie. Ton oncle est avec toi. Ton chat. Ton chat. Tu allais gâter son prénom. Comment tu as fait? Il a pris son argent. Comment tu as fait? Je commence à être fatigué. Ouais, je suis obligé.
Je vois, il y a les amis qui me saoulent. Quand j'écoute ça, me saoule. Là, aujourd'hui, là, je vais pas écouter des conneries. Parce que, par moment, ça me saoule souvent. Comment tu fais pour aller apprendre son argent? Moi, mon travail, c'est difficile. J'écoute tout le monde les vilaines choses. Donc, tu vois, il faut aller se charger des vilaines choses. Donc, il faut évacuer ça. J'écoute, non, je fais ça, je sors, je fais ça. Comment tu as fait? Il a pris son âme par la bombe. Je vais les écouter, les pasteurs, là, on fait la délivrance. Comme ça, j'aurai le temps de recevoir les gens. C'est tout ce que tu as dit? Ok, on y va. Ceux qui ont des... Tu devais faire le dernier bain d'huile, tout ça, vous êtes là? Parce que juste après ça, je reprends avant de prendre faire la réception. Ok. Non, c'est que tu manques la chaise, oui. Nous savons tous. C'est tout ce que tu as fait. Ok. Mets-toi là. Le pasteur là-haut, c'est lui. Ça, là, c'est une très dangereuse aussi. Ouais. Parce que je connais un peu les dimensions de sorcellerie. Elle a l'épervier. Oh, l'épervier, c'est dangereux. On t'écoute. Je m'appelle Jai Angel Doria. Jai Angel Doria. J'attends pas pour vous parler. Jai Angel Doria. Je suis sorcière. Lève ta tête. Je suis sorcière. C'est ma maman qui m'a donné au village. Elle mangeait et puis elle m'a forcé à le manger. Et la nuit, je dormais. J'ai vu une femme appuyer vient dans ma bouche. Et j'ai vu sa figure que j'étais ma maman. Tu mets ta tête. Et ce même nuit-là, elle dit que de donner mon papa. Elle dit que quand on mange la chair humaine, on ne peut plus l'enlever. Et elle dit de donner mon papa. Et j'ai pris l'âme de mon papa pour attacher. Et j'ai mis mon petit frère dedans pour tuer mon papa. Et quand Charles et son prend l'argent, je pense à Philippe pour aller prendre. Oui, non, il y a deux avis que moi qui se ressemblent. Nous sommes habités à ce moment-là. Vous allez à la banque. Vous avez ce problème aussi financier. Venez, c'est son père. Vous venez d'où pour le voir? Bundiali. De Bundiali, il est arrivé ici pour la délivrance. De Bundiali, ça c'est au nord là-bas. C'est vers Mali? Oui, c'est ça. C'est vers la frontière de Mali. Et comment se passe votre soin d'argent? Quand je prends de l'argent, ça ne reste pas dans ma main. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça finit, on dirait, fin. Même quand je venais, j'ai pris 100 000. Mais je suis venu, je ne sais pas ce que c'est. J'ai tout dit à mes amis d'Amérique, 40 000, beaucoup plus. L'argent ne reste pas dans ma main. Puis à chaque fois que je vais entreprendre une action, il y a toujours un événement comme maladie, opération, elle-même s'est fait violer par un pull. Tout cela pour que je n'ai qu'à dépenser. Elle dit que quand elle s'est fait violer... C'est une histoire très intéressante. Elle s'est fait violer elle-même. Ah, ce qu'elle suit, elle s'est sortie de la maison pendant 3 jours, elle l'a cherchée. Elle était attachée, ballonnée chez un peu là-bas. Je te suis obligé de donner une mutation, elle s'est appliquée là-bas parce que les peu les attendent, les gens en route. Tout ça, c'était pour qu'on puisse au moins se les tuer. Parce que depuis longtemps, je suis en train de faire des accidents. Bon, comme elle est là, elle va tout parler. Ok. Toi, t'as quel âge? Il y a 12 ans. Tu t'es fait violer ton pull. Tu connais le pull? Depuis qu'ils sont nés, ils ne portent pas qu'à les enfants. Excusez-moi. C'est dangereux, hein? Fais tomber ta sorcellerie, tu as fini ça. Comment tu as fait? Puis tu allais te faire violer pour quelque chose. Lève ta tête, c'est pas de courage qui fait ceci. Je suis sortie par esprit. Lève ta tête. Oui.
Je suis sorti. Je vous ai pas dit pour elle est dangereuse. Mm-hmm. Je vous ai dit. Mm-hmm. Il y a des dimensions de sorcellerie. Il est dedans. Non, elle est initiée, mais après, on va voir. Mm-hmm. Oui. Je suis sorti père. Et puis après, je peux m'appeler. Lève ta tête. Et après, je peux m'appeler pour entrer dans la maison. Et c'est ça, il m'a tiré par force. Et il a fait sortir son couteau pour me tuer. Elle ne t'a mis pas le film, hein? Mm-hmm. Et après, quand il a montré son couteau, il a dit qu'il ne faut pas y être créé. Et puis, je suis tué. Et puis, c'est ça, il a commencé à enlever tout mon habit. Et quand il a fini, il a vu qu'il y avait tache de sang dans mon caleçon et il a lavé. Ce n'est pas qu'on voit. Et quand il est sorti, il a laissé la porte ouverte sans attacher ma main. Puis, je suis sorti. Et puis, elle fait la grande coupe. Et puis, un gardien m'a vu. Puis, il a appelé mon papa pour lui dire qu'ils vont retrouver. Qu'ils vont retrouver ta fille. Tu as dit dans quelles conditions? Trois jours plus tard, très amaigri. Vraiment, il faut dire que... Une infection. Non, je suis parti, j'ai été obligé de prendre encore, VS, on appelle ça VS, mais juste quand tu es moi, je suis dans la VS, moi. C'est que ça ne veut, je ne comprends pas. Je suis des fois en 26 salaires, chaque fois en 26 salaires, tout le monde voit le banquier. VS, c'est quoi en 26 salaires? Ah, bon, c'est ça. Il a pris mon salaire pour que tu sois soigné. Il ne savait pas. Ça fait 7 ans que je suis en train de faire. Vous m'avez dit que tu as pu voir les filles arriver sur mon terrain. Non, c'est ici, c'est devenu. C'est ce qu'il a fait. Elle fréquente. Elle partait de quoi? Elle a vendu sa balance. Très intelligente, voici qu'on a dit. Mais on montre même quand mes parents, mes amis, me demandent ta fille fait quelle place? Moi, je suis insulté, je ne m'ai pas dit. Parce que nous, on se Ok, le dossier, c'est bon dossier, ça m'intéresse. Je vais régler ça doucement et bien. On va régler ça aujourd'hui, hein, et puis on va vous libérer. Ok. Les pasteurs vont s'occuper des deux cas. Mm-hmm. Viens, madame. Donc, tu as donné la société à ton petit frère. Non, c'est toi-même qui envoie le bruit vers toi ou bien. Mais comment toi-même tu peux provoquer de viol? Elle me dit que quand le feu l'a violé, sa maman était tellement heureuse qu'elle a versé le sang. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'elle a dit. Mais dans le mois, sa maman était très heureuse parce que j'ai pris tout mon salaire encore pour la soigner. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, tu n'expliques pas. Pourquoi tu t'es fait violer par un peu? Parce que maman m'a demandé de le faire. Lève ta tête. Parce que ma mère m'a demandé de le faire. Fais quoi? De me faire violer parce que. Elle veut que mon papa. Mais ton âge là, quand tu as ton âge là, tu vas aller un bel âge.